Hey, yo tout le monde! Petite vérif, oui c'est bon! Yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va super! Ça va super, faut juste que je modifie un truc. Zéro après. 45 ici, 20, pardon. Ici 45. 45 ici, 20, 10, 20, pardon. Garage Le Bénis, à vous. 45 ici, 20, c'est bien pris, terminé. 45 terminé. C'est relou ça. Voilà, on fera avec. Alors. C'est toujours celle de dimanche. Dimanche, 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 dimanche. Non, 10-5, 10-5. Yo Lilith, bien sûr que t'es toujours modo ici, toi. Ok. Ça va reprendre gentiment les lives, ouais. Gentiment, gentiment. On va essayer du moins. Alors. Centrale ici, 77, c'est une bonne prise de service pour moi, à vous. 10-4 ici, 20, vous montrez avec 45 une fois qu'il aura terminé de retour de son pénis, parler. 20 ici, 77, bien pris à vous. Ici 20 terminé. Ouais, tu vas pouvoir espionner un peu. Bon, on a quand même prévu des choses, tu vois. Il y a l'antiméta sur le téléphone et l'antiméta sur la tablette de flic. Bon, le seul souci que j'ai avec le téléphone, c'est que tu vois, regarde, si je rentre dans une conversation, tu vois, et que je fais effacer, ça ferme aussi l'antiméta. C'est le seul problème. Yo Yakal, heureux. Alors. Ici Adam 20 10 41 parlez. C'est 45 10 4. Adam 20 terminé. Putain 10 41, je sais plus ce que c'est moi. Voilà, j'ai pas roleplay 2 jours et je sais plus ce que c'est quoi. Putain. Communication. Début de patrouille. Bah oui, début de patrouille, connard. Pardon. On va se garder ça sous les yeux. Hein? Ah oui, putain, il y a autre chose qu'il faut que je garde sous les yeux. Alors attendez, excusez-moi. Je vais me faire goumer sinon. Je suis censé l'avoir appris. Voilà, droit Miranda. On va l'ouvrir dans une nouvelle page. Comme ça, on va zoomer dessus. Voilà. On va éviter de se faire goumax. Et tiens, si jamais. Hop. Ah ouais?
Ah, regarde l'hélice. Le cadeau, ça te rappellera quelque chose. Ça fait rien. Faut que je trouve un truc. Faut que je trouve un autre truc. Attendez, ça va me saouler sinon. Et ça va me perturber pendant tout le stream. Ça, on va le remplacer par ça. Là, si j'ouvre le téléphone et que je fais ça, on est bon. Il faut que je fasse ça pour les graisser. Okay. Ouais, ça y est, le site est enfin en live. En ligne. On l'a terminé. On a fait tout ça tout beau, tout propre, mais ça te rappellera une certaine patte quand même. Yo Sangui! Ben ça va super et toi? Ouais, je me doute, Lilis, mais je me suis proposé avant. Je suis allé les voir, je leur ai dit go ou pas. Et je sais ce que j'ai oublié! Bougez pas! Je sais ce que j'ai oublié de cacher. Shit! Hop, on va retourner au bureau. On est à mon bureau. Mais Photoshop, mais Photoshop, mais Photoshop, il veut pas me laisser jouer. La gueule, Photoshop. On va se mettre sur le tel. Hop. Ça, on est tranquille. Ici. Non, ça, j'en aurais pas besoin en fait. En forme. Bah oui, toujours. Non, non, franchement, ça va. Hein. Je sais que vous faites tous l'apologie du lieutenant Connard, mais franchement, ça va. Hein. Cache map. Ajouter une source. Parcourir. Brom. Brom. Alors. Un projecteur de sortie. Désolé, j'ai besoin d'être un tout petit peu plus précis que la merde que je viens de faire. Villa, villa. J'avais oublié un truc important quand même. Ok, on est bon. Eh oui, mais Elisa, elle est amoureuse du lieutenant en même temps. On le savait. Quarante-cinq, dix, dix-neuf. 20, 10-4, pardon. 45 terminé. Ici 45, Granger souhaite améliorer à 100% vitre teintée. Paré au combat. À vous. Ici 20, c'est bien pris par là. 45 terminé. Ouais, c'est pas faute que Johnson ait essayé pour le lieutenant. Ah non, c'était pas toi, putain, c'est pas à toi que je l'ai fait le coup, c'était à.
Comment il s'appelle? Ah, le doc. Eh, bonjour. Et bonjour 77. Vous allez bien? Ça va et vous? Super. Bien, parfait. Au menu. Mmh. Vous connaissez votre alphabet militaire? Dans les grandes lignes? Parfait. D'ici samedi, le capitaine veut que vous ayez appris l'alphabet militaire. Très bien. Vous allez épeler mon nom en alphabet militaire samedi. D'accord. Ou celui du capitaine, ou autre chose. D'ici samedi, vous êtes apte à parler en alphabet militaire. Très bien, ça sera appris d'ici là. Ok, vous êtes équipé? Ouais. Bien. Vous n'allez pas Pareil. m'accompagner jusqu'au vestiaire quand même. Non. Putain, l'alphabet militaire, à savoir, New samedi. follower. Yo, Black Lotus. Comment il va, lui? Merci pour le follow. Alors, faut que je fasse gaffe que mon micro reste pas bloqué en jeu. Hein. Ok, c'est bon. J'aurais Allez, go! l'air d'un con. D'ailleurs, il a pas tort. Je vais pas mettre le taser en prio, je vais mettre l'arme. Hein. On est au state quand même. Bon, cadet, normalement vous savez tout, on est d'accord. Vous Ça savez dépend ce arrêter que vous quelqu'un? entendez partout. Oui, arrêtez quelqu'un, y a pas de souci. Vous savez le mettre en garde à vue? Oui. Vous savez le Jamais fouiller? de fait de test, mais oui. Ah ouais, je sais. Mais vous savez faire tout ça normalement. Vous n'avez pas encore. Si vous savez écrire un rapport, vous, je crois. Oui, tout à fait, j'en ai Parfait. déjà fait un. Ben c'est super. À partir de maintenant, il y aura beaucoup de tests et beaucoup de mises en situation. Parfait. On est bon. Restez où vous êtes, vous conduisez. Très bien. Ah ouais, c'est parti en couille totale hier soir. Ouais, il y a tellement d'infos à retenir. Adam Adam 45, 10 45, 41. 41. 10-4, Adam 45, ici 20, bien près. Pourquoi Adam 45 alors que c'est vous qui conduisez? Est-ce que vous êtes plus haut gradé? Bien. Vous souhaitez qu'on fasse le plein d'essence d'avant? Comme ça on est tranquille? Allez-y, faites comme vous voulez. C'était moi les droits Miranda. Bien sûr. Monsieur X, nous sommes le 01-09-2021. Il est 20h41. Vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite. Vous pouvez garder le silence, tout ce Vous que avez le vous droit de garder le silence, vous avez le avez le droit. droit de garder le silence. Recommencez. Ok. Ok, Monsieur X, nous sommes le 01-09-2021, il est 20h41, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera retenu devant une cour de justice. Utilisé contre vous. On recommence. Ok. Anti-sèche, c'est Vous allez parti. les apprendre ces putains de droits, c'est moi qui vous le dis. Oui. Alors on recommence. Passez directement au droit Miranda. Très bien. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, un avocat vous sera Vous commis n'en avez pas les d'office. moyens. Si vous n'en On avez pas les... recommence. Ok. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat. Et si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Avez-vous compris vos droits? Alors, moi j'en demande plus, là c'est bien. Oui, j'ai compris mes droits, qu'est-ce que vous dites ensuite? Est-ce que vous avez besoin d'une assistance médicale ou de On voir un s'en bat les couilles. médecin? Non, est-ce que vous désirez parler à moi ou à un officier de police? À partir du moment où les droits Miranda sont cités, la loi nous interdit de poser des questions à l'individu arrêté, pour éviter justement qu'il se piège lui-même. En revanche, le fait de demander la permission et qu'il souhaite parler avec un officier peut nous permettre du coup d'avoir son accord et de se piéger lui-même, tout simplement. Très bien. Bien, 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 bien. Citez-moi les quatre règles des armes. Alors, ne pas mettre en joue quelque chose qu'on ne veut pas blesser ou détruire. Considérer que l'arme est toujours chargée.
Il m'en manque deux et je sais que je les connais. Considérer qu'elle est chargée, ne pas pointer, quelqu'un qu'on veut blesser ou détruire, quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Ma préférée, c'est laquelle? Règle numéro 4, être sûr de sa cible et de son environnement. Règle numéro 3, l'index doit toujours être hors de portée de la détente tant que les organes de visée ne sont pas sur la cible pour éviter, je cite, un tir réflexe. Vous apprendrez ces règles par cœur, ce sera l'examen. Très bien. Je savais qu'il m'en manquait deux et je vous avoue que je les avais complètement oubliés. Bien, 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 bien. Allez, au tequila là, j'ai faim. Très bien. Ouais, c'est pas facile. Alors, je vois plus le chat, les potes, actuellement. Parce que. Je me suis mis l'antisèche. Du coup, l'antisèche, elle prend tout l'écran. Faudrait que je la foute sur le téléphone, l'antisèche, ou faudrait que je l'imprime. C'est pas possible. Alors dès qu'on a noté qu'il est là, je reprends le chat, les potes, je suis vraiment désolé. Oui, j'ai mis le régulateur de vitesse pour être. On le prend, je suppose. Un agent disponible. Allez-y, allez-y, fauchez-le. Ici, Adam 45, véhicule en excès de vitesse, une Schlagen immatriculée FZA 699, roulé 167 km à l'heure. Droite. Ici, Adam 20, c'est bien prêt. Ici, Adam 20, on arrive au renfort, pareil. Ici Adam 45, nous avons perdu l'individu, nous l'avons perdu sur au niveau du panneau Winwood, au niveau du cimetière. 10-4, c'est bien pris, on va patrouiller dans la zone de Winwood pour Adam 20, parlez. Ok, c'est pris. Bombarde sa merde. Désolé, j'ai pas le chat, les potes. Ici, Adam 20, est-ce que vous pouvez donner un descriptif du véhicule, s'il vous plaît, pardon. Bleu cyan et blanc, avec une bande blanche. 10-4. 10-4. Vous avez entendu J'ai entendu. Ok, parfait. Ici, Adam 45, véhicule immatriculé. Foxtrot. Zulu. Alpha. 699, modèle du véhicule, Schlagen, flashé à 167 km à l'heure, bleu saillant avec bande blanche. À vous. Ici, Adam va répéter plaque d'immatriculation, parlez. Ici, 45, Foxtrot, Zulu, ah ouais Alpha, 699, modèle Schlagen. À vous. C'est bon, ça l'a plus. Ici Adam 20, véhicule appartenant à Monsieur Brooks Tom. Un véhicule type Schlagen. One white et métallique, parlez. Ici 45, c'est bien pris à vous. Ici 20, terminé. 45 terminé. Prochaine fois qu'on chope Monsieur Brooks, on peut l'amender pour ça. Très bien. Vous pensez qu'il a largement eu le temps d'entendre mes sirènes ou on le considère comme un délit de fuite ou le fait qu'il m'ait pas entendu? À vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a quand même largement eu le temps de me voir accélérer et entendre les sirènes derrière. Parfait donc. Délit de fuite. Qu'est-ce que vous feriez vous? Comment?
Qu'est-ce que vous feriez? Moi, d'habitude, j'y mettrais. Cadet, je vous parle. Vous... Bonjour, il y a quelqu'un? Cadet? Faut me parler, Cadet. Petit, est-ce que vous êtes là? Ici Adam 20 pour Adam 45, vous interpellez Monsieur Brooks concernant son excès de vitesse, vous faites le nécessaire. Parlez.